Ouais, un boulot va te couper pour Gabonais. Ben, Bangouamboulabé. En fait, il y a des gars que je ne comprends pas. Tu te réveilles le matin, tu n'as même pas encore brossé tes dents. La première chose que tu veux, tu vas faire un direct. Tu vas parler de Rico Titi. Quoi, ton livreur là, quand il t'a livré ça, est-ce que tu as enlevé les graines ou c'était encore mouillé, tu as préféré faire comme ça? Un mois de nez. Appelez, fais le bon mélange. Tu ne peux pas te réveiller, tu n'as même pas encore brossé les dents, tu n'as même pas encore mangé. La première chose que tu as fait, tu montes sur ton téléphone avec ta haine là. Que Eric Otete, Eric Otete, Eric Otete. Mais Eric Otete t'en veut, il t'a eu. Pourquoi? J'ai quel pouvoir? Hein? Les gars, non, à un moment donné, il faut changer de livreur. Si tu vois que le livreur ne te donne plus la bonne marchandise, cherche un autre livreur. Parce que là, la qualité que tu as en train de faire là, wallahi, billahi, tu l'es déraillé. Parce que tu ne peux pas te réveiller un matin, tu n'as même pas encore mangé. Même pas, tu n'as même pas pris les gâteaux des enfants ou le kounou ou l'haricot. Même pas brosser les dents. Ce que tu trouves à faire, c'est de venir faire un live où tu parles d'Eric Otete. Eric Otete. Oh, c'est un valet. Ah! On ne se connaît pas du bal. Moi, je suis pas là pour être valet de quelqu'un. Hein? Renseigne-toi. La seule chose que je vous ai dit que je n'ai pas pu faire là, c'est arriver à l'université comme vous. Mais le reste là, sur le terrain là, on sait quand même faire des choses. Et chacun de nous nourrit sa famille. Donc ne venez pas insulter les gens parce que nous, on a cassé le bic, on a cessé l'an que vous arrivez à continuer. Mais on est là toujours sur le même banc de touche, hein, au chômage. Cela ne voulait pas dire que l'école, c'est pas bon, l'école, c'est bien. Mais quand tu prends un truc comme ça, là, le matin, c'est pour critiquer l'autre. Change de lier, change de dealer. Parce que cela, ça risque de te rendre bête quand c'est pas bien sec. Bon, one love au peuple gabonais.